Good morning! J'espère que vous allez bien. On va se faire un café. Finalement, ça pesait un franc que j'ai fait le gobelet. On va voir si ça va passer. Là, j'ai donné un petit peu de puff. On sait que ça, les puffs, ça passe. Eh oui! Je vais le faire. J'ai vu ça sur la DME. Il y a plein de comptes de DME sur Instagram. C'est tellement le fun. On a toutes sortes d'idées pour déjeuner. Là, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des déjeuners avec des biscuits nom nom. Ils mettaient des tartinades sur les biscuits mom nom. On va essayer ça ce matin. On va essayer. J'ai porté un meilleur à la garderie ici. On va lui donner un morceau de banane. Ça, je sais qu'elle aime ça. C'est quand même nutritif de donner des bananes. Moi, il n'y a pas de blog ce matin en ligne parce que j'ai pas eu le temps de faire du montage. J'ai hâte d'aller me coucher à la place. Hein? Mange ta banane. Sur les biscuits maman, on va essayer de mettre ça ici. J'ai acheté ça chez IGE hier. C'est 29,5% matière grasse. C'est du fromage à la crème. Je vais préparer aussi son lunch. Son lunch, ça va être le ravi de boulet d'hier. Ça l'a malheureusement pas mangé. Non, elle n'a pas voulu. Et cette fois-ci, je vais y mettre un mini-niveau. Je vais acheter la banane. Je vais échapper. Je vais donner un petit peu de beurre d'hier. On va se préparer un café ce matin, les amis. Et on va faire ça là. Maman va peut-être manger il annonce 21 aujourd'hui. On va y mettre un petit peu de concombre. Elle a l'air de manger ça. Youpi!
stylet. Finalement, je pense que ça passe pour l'instant. Allez, goûter. C'est bon. Et moi, je vais donner un peu de yogourt. Rebonjour. Je viens de finir de donner à manger à la pitoune. Puis, je viens de finir de faire son lunch. Là, je donne un autre biberon. Ouais, peut-être aller chez Walmart parce que j'ai des trucs à acheter, surtout dans le froid. Fait que je pense pas que j'aurai le temps ce soir d'y aller parce qu'à soir, j'ai rejoint mon chum à l'ancienne place de jeu. Je vais laisser là-dessus, on va se reparler plus tard. Ciao la gang! Bon matin! Rebonjour, parce que je vous ai parlé ce matin. Je viens d'aller porter la petite à la garderie, puis moi, je vais aller faire un petit tour chez Dollarama, je vais lâcher un nonos à mon chien ou des coquilles. Peut-être plus un nonos. Peut-être commencer à acheter des petites décorations de Noël. Puis après, je vais aller faire un petit tour chez Metro. Et après ça, je vais voir. Il annonce 21 degrés aujourd'hui. Il annonce vraiment chaud. Je colle déjà dans mon manteau. Je ne sais même pas comment il fait là présentement dehors, mais il fait chaud. En tout cas, la température qu'il y a sur le fleuve versus on dirait vraiment une journée d'automne. On voit même plus le fleuve. Les nuages en bas, c'est brumeux. Il y a de la grosse brume. Là, j'avais envie d'aller faire un petit tour chez Alipski. Je sais que je suis allée hier. On dirait que c'est. Je suis faite comme ça. J'aimerais sûrement recevoir ma commande de Bath & Body puis d'autres commandes Amazon où que j'ai commandé les bonbons d'Halloween qui restent. Puis j'ai su que. Je sais pas si par chez vous c'est ça, mais ici ça fonctionne. Si après l'Halloween il vous reste des sacs de bonbons ou des bonbons de trop, les Chevaliers Colons les reprend le surplus de bonbons pour donner dans les paniers de Noël. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Ouais, c'est vraiment une excellente idée de donner dans les paniers de bonbons, dans les paniers de Noël. Fait qu'aujourd'hui, je vais peut-être faire des boulettes de viande. Je vais aller voir s'il y aurait encore du steak haché en spécial.
Ben, s'il y en aurait au métro, parce que ça ne me tente pas d'aller au IGA, là, je suis allée hier, fait que... J'ai envie d'aller faire un petit tour à la SAC aussi, voir s'il y a des bouteilles de vin en spécial. Puis si la SAC ici est réouverte, parce qu'elle avait fermé pendant 3 mois à cause des travaux. Il y en a qui ont décoré, mais leur cour arrière. Ou peut-être des décorations de Noël, là. Le métro est ouvert. Il est 9h24. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 1h15. Je pensais même pas qu'il allait être aussi tard que ça. Mais c'est ma réalité. Moi, quand je vais dans les magasins, ça dure toujours une éternité. Toujours. Je suis même pas revenue à la maison depuis que j'allais porter Amélia. C'est sûr que aussi, ben j'ai fait un petit FaceTime avec une de mes amies. Fait que là, j'ai fait des petits achats, mais j'ai pas acheté grand chose quand même chez Métro, parce qu'on va se le dire, Métro, c'est quand même l'épicerie la plus chère. Ouais. J'ai acheté de l'alcool, par exemple. Il était pas spécial, mais il y avait une bouteille de du vin blanc bu, qui est quand même assez populaire, en spécial à 10,99$. D'habitude, c'est comme 15-20$. Je trouvais que ça valait quand même la peine. Fait que nous, on va se reparler plus tard. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 1h44 et je suis de retour à la maison. Faut vraiment que je remplisse la bouteille. C'est une affaire de... Je dis ça avec du Dollarama parce que je veux donner ça à mon chien tout de suite. Du Dollarama, j'ai acheté un nanas. Fait que j'ai acheté une bouteille de vin. J'avais vu sur le compte de Chloé Dagenet puis la Gosseline qui s'était acheté de neige des cidres de pommes. Fait que j'avais envie moi aussi de les acheter. Il était 8,99$, fait qu'il était vraiment pas cher. Il y a 3 cannes. C'est juste 4% d'alcool. Mais le génie de dîner, mais je suis pas revenue. J'ai acheté une bouteille d'eau. La deuxième bouteille de vin bu que je vous parlais. Les biscuits célébration étaient à 1,99$ jusqu'à aujourd'hui. Fait que j'ai acheté au caramel. Puis des biscuits gaufres que je vais aller porter en bas. J'ai acheté de la cassonade parce que j'en ai pas trouvé chez Costco. J'ai pas trouvé de cassonade, de sucre, de sucre glacé. On dirait qu'ils en ont vu. C'est bizarre quand même. Deux saucisses que je vais faire en mangeant une plaque Technex. Le lait était 2,69$ et j'en ai pris deux autres que je vais descendre en bas, mais là je vais mettre dans le frigo d'en haut, du 3,25$. Ensuite, j'y allais parce que j'ai vu au port qu'il y avait de la farine à 3,75$. C'est vraiment pas cher, fait que j'en ai racheté deux. J'ai acheté un avocat. Je voulais me faire du tartare, mais il était trop cher. Ensuite, je voulais me faire me coller du resto. Ensuite, j'ai acheté deux trucs de purée. Mais là, tantôt, je m'en vais sûrement chez Walmart, peut-être. Je vais acheter des couches parce que je voulais même acheter des Tylenol, du Tempra. Mais il n'y en avait plus chez Uniprix. Chez Metro. Ah, je crois que j'ai oublié de checker chez Metro s'il y en avait. Mais je suis sûre qu'il ne devait plus en avoir. Mais tantôt, je m'en vais. À la place Fleur de Lys, fait que je vais aller voir s'il y en a. Sinon, ben, j'ai acheté deux purées de bébé, c'est pour 10 mois et plus. Fait que j'ai acheté lasagne à la dinde et aux légumes. Puis patates douces, pommes et poulet. Vu qu'on a de la misère à donner de la viande, ben je vais continuer d'y acheter de la viande en purée. Puis qu'on va essayer de faire passer ça avec des puffs. Puis là, les puffs étaient trop chers, ils n'avaient pas en spécial. Puis Dollarama, j'ai racheté. Un truc de même de pour mettre mes pâtés à la viande que je vais faire. Des gâteaux pour faire. J'ai acheté ça. Ça va être pour mettre ma crème à café. Mes pastilles à dentier. Un allume-chandelle. J'ai racheté des couteaux parce qu'il y en a 2 sur 4 qui m'ont lâché dernièrement. Un autre truc de sac Ziploc.
un truc pour mettre le lait quand je vais acheter des poches. Une lavette pour laver. J'ai acheté des petits trucs de Noël. J'ai trouvé tellement beau ces petits collants-là pour les fenêtres. J'ai acheté une canne de saumon pour me faire un pâté au saumon bientôt. Faut juste que j'aille acheter de la pâte. C'est pas parce que je suis toujours en train de chercher les miens. Un truc de saumon pour remplacer celui qu'il y avait dans la salle de bain. Parce que je pense qu'il commence plus à sentir grand chose. Des rasoirs parce que je pense qu'il ne doit plus m'en rester bien bien. Et un nouvel ami! Je sais pas comment il s'appelle. Hein? Snug. Snugus. Snugus. On va l'appeler Snugus. Puis vous savez c'est quoi? Snugus. Il était tellement beau, Dollarama. Fait que c'est tout pour mes petits achats. Moi, je vais aller manger. Puis je vais aller faire du montage. Pour vous mettre un vlog en ligne aujourd'hui, puis après ça, je pars chercher la petite madame à la garderie, puis je m'en vais souper avec elle. Je sais même pas ce que je vais y amener. Sûrement des puffs, des biscuits. Je vais faire un petit lunch, hein. Fait que Snuggus et moi, on vous dit bon après-midi. Rebonjour, il est déjà 3h. J'ai fini de manger. J'ai starté mon lave-vaisselle, mais j'avais mal pesé ses pitons, fait que ça n'a pas marché. Là, je l'ai starté. Puis j'ai quasiment fini le montage du vlog, fait qu'il devrait être en ligne, mais accrochez-vous. Il va être d'une durée de 30 minutes. Environ. J'ai déjà supprimé pas mal de clips. Mais là, j'avais envie de vous filmer parce que j'ai raté ma commande. Je pense que c'est ma commande de chez Bath & Body. J'ai pas reçu mon colis Amazon encore. Ça va sûrement arriver un peu plus tard. Je pense qu'il l'aille pas caché quelque part. Là. Ouais! J'ai commandé des savons encore. Oh, c'est la collection de Noël! C'est mes savons de Noël! Youpi! Youpi! Des trucs de Noël. Il a dit ma commande de Noël. Fait que je vous montre ça. J'ai reçu Wendy Candy Apple. Winter. Fresh Balsam. Ça, c'est des notes de résine fraîche. Alors, il faut vraiment. Le plus, c'est que mes autres savons de chez Bath & Body, je les ai même pas toutes rangées. Et à un moment donné, je vais manquer de place à quelque part où je vais essayer d'aller en déposer en bas. Là. Oh my god! Ça sent le dehors. Ça sent le sapin. Comme si on aurait été marcher une belle journée dehors. Ah, ça, c'est les odeurs que j'adore, là. Moi, tout ce qui sent le sapin, le cèdre, le dehors. J'adore. Ensuite, le Dream Bright, c'est une nouveauté. Ben, c'est la première fois que je l'achète, lui. C'est doux savon pour les mains. Avec des notes de... Belle saphir, orchidée de minuit et 21. Tant que ça sent pas trop la vanille, parce que je suis pas très vanillée. Ouais, c'est pas super, mais ça sent fort. Ça sent les parfums de mamie. Ouais, c'est pas super. Ça sent un peu la vanille. Ensuite! Twisted Peppermint! Celle-là, je le connais très, 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 très bien. C'est un de mes préférés. J'avais un gel douche comme ça, puis j'aime beaucoup.
Le Candy Winter Apple puis le Twisted Peppermint, c'est vraiment mes odeurs préf. Ça sent la canne de bonbons. Vous savez mon amour pour l'amande? Tellement que ça sent bon, j'aurais envie de le boire. Mais je vais me garder une petite gêne. Le Strawberry Snowflake. Ça, c'est le Twisted Peppermint. Ça, c'est une nouveauté. Sûrement, je vais avoir envie de le boire. Hein? Bouf! Attendez un petit peu. Je vais essayer de faire clé dans ce café. Puis après ça, de renifler l'odeur. Parce que le café enlève toute trace de l'ancienne odeur. C'est pas si mal. Mais ça sent le sucré à fond. Ensuite, le Coconut Mint Drop. Je l'ai commandé surtout parce qu'il y a de la menthe. J'espère que ça sent pas trop la noix de coco. J'ai un peu de savon sur moi. Je vais chercher la petite madame pour 4 heures. Ah ben c'est pas super. Ça sent un peu la coconut, mais pas à fond. Mais ça sent la gomme. Moi j'ai des drôles d'exemples d'odeurs. Ok? Fait que fiez-vous pas à mon respective là. Le Bright Christmas Morning. Puis le Coconut Mint Drop. Tu vois, les couleurs sont belles. Ouais, bonbon à la menthe et à la noix de coco. Ça, c'est magnifique matin de Noël. Il va vraiment falloir que je retrouve une place. Peut-être. Ah, demain, j'ai une amie. Peut-être vendredi matin, je vais essayer de tout ranger ça. Ah, que ça sent bon, ça! Toutes les odeurs du savon Bad & Body, ça sent bon. Ensuite, j'ai le 10 de Season. Celui-là aussi, je l'ai acheté l'année passée. Oh my god, ça sent la cannelle! Mais la cannelle bonne, là. J'aime pas mes cannelles. Ah, je vais toutes les années. Puis le Snowy Peach Berry. Une nouveauté. Je suis un peu trop accro au produit Bath & Body. Ça, c'est discret. Mais ça sent super bon. Ça, ben, c'est des notes de... Attendez, parce qu'il y a de l'écriture. Des notes de canneberge enneigée, fleurs de pêcher, givré et bois scintillant. Vraiment, là. Plein de nouveaux savons pour la maison. Je me souviens, l'année passée, enceinte, j'avais tellement fait de commandes de savons aussi qu'il m'en reste encore aujourd'hui. Des savons de Bath & Body. Donc ouais, j'étais accro. Puis ça, ben, ça va aller parfaitement dans ma cuisine. Ben, il me reste un autre colis de Bath & Body à recevoir, mais c'est des savons pour le corps qui étaient à 5,50 vu que j'en ai profité en masse. Hein. J'en ai acheté 4, je pense. Fait que moi, je vous laisse là-dessus, puis je continue de faire mon montage le plus rapidement possible pour aller chercher ma fille à la garderie, puis on va descendre au magasin, puis aller chez Walmart. Mais Walmart ferme à 9h. Je devrais avoir le temps d'y aller d'ici. Mais je vais vous dire, franchement, j'ai pas bien fait pour souper, mais je vais amener des choses pour ma petite. Je sais juste pas où ce que je vais aller à manger, vu que moi, j'ai déjà mangé. Peut-être aller au Tim Hortons ou peut-être aller me prendre un café quelque part. Peut-être aller chez McDo pour aller me chercher un café. Là. En attendant, de faire ma rencontre dans la voiture. Fait que,
Moi, je vais vous laisser là-dessus, puis on va se reparler plus tard. Ciao, la gang!